Et je vais te dire, pour moi, tous ces aliens, c'est forcément des PD. Tout ce qu'ils veulent, c'est défoncer la rondelle, tu vois ce que je veux dire? Ils débarquent sur Terre pour maltraiter les humains et te la foutent bien profond dans le cul. Je me trompe? Est-ce que tu refuses d'y croire parce que tu penses que c'est pas possible ou alors c'est parce que t'es pas capable de le concevoir avec ta toute petite cervelle? Pardon. Dis donc, j'y avais pas pensé. C'est peut-être ma petite cervelle qui... Ah oui, qui m'empêche de croire que tes potes les aliens sont trop bien pour te la mettre. Ah, écoute-moi, écoute-moi, tu me regardes quand je te parle, regarde-moi. C'est mignon. Tu sais que j'ai pas la moindre idée de comment ça se passe ces enlèvements, ça me dépasse alors... C'est vrai que quand ils t'embarquent dans leur vaisseau spatial, ces tordus s'amusent à te tripoter la prostate et le côlon, ils te rentrent dedans. Ouais, ils font des recherches poussées. Mais pourquoi ils te la fourrent dans le cul, je comprends pas. Ils veulent en savoir plus sur l'espèce humaine, sur la... Ah ouais, mais de là à te la mettre. La température du corps, par exemple, ou les parasites. Sérieux, tu déconnes. C'est pas possible, je suis sûr que tu déconnes. Eh, mais t'es un tout petit poisson, petit, petit, petit. Et moi, je suis un requin. Fortune personnelle, nombre de victimes, tu fais pas le poids. Je suis la menace permanente, la menace invisible qui t'attend au tournant. Et malheureusement, quand tu réalises que je suis là, c'est déjà trop tard. Je te chope et t'es foutu. Comme cette pute au début des Dents de la Mer. Bon. Là, il faut quand même que je t'explique. Je suis pas la pute. Je suis Roy Scheider. On sait tous comment le requin finit quand il emmerde Roy Scheider. Il le fait exploser en pleine mer. Il le fait exploser, ce fumier. Écoute-moi bien, j'en ai rien à foutre de qui tu es. De ce que tu possèdes. Du nombre de mecs que t'as liquidés.